Hello à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait du bien, ça fait longtemps que j'avais pas tenu ma caméra et enfin en vrai, depuis que vous avez vu la dernière vidéo en septembre, j'ai déjà refilmé 4 fois, mais j'ai jamais posté. Bref, aujourd'hui là je suis en pleine préparation. C'est aujourd'hui, nous sommes le 12 avril et c'est l'anniversaire de DLP. Donc pour l'occasion, je me rends sur le parc aujourd'hui. Alors moi malheureusement, je fais pas partie des Inside Ears, je suis pas dans la communauté. Donc moi j'aurais pas accès à des events inédits, tout ce qui est conférences ou je ne sais quoi, ou photocall ou je sais pas ce qu'il y a, mais moi j'aurais pas l'accès. Mais je me dis que voilà, déjà ça fait longtemps que j'ai pas filmé sur le parc, il y a eu des nouveautés et puis bah voilà, un petit vlog, vidéo sympa à Disney, ça fait du bien. Donc je le fais quand même et puis peut-être que nous aussi en tant que guest on aura des choses pour ce 12 avril. Donc là je suis en pleine préparation, il est 10h40, je vais partir à midi, donc je serai sur le parc vers 13h15. En fait je vais faire une bonne après-midi remplie et normalement je dois croiser Anna, Noélie et Alex. Alex connu sous le nom de Magic Hat. Donc voilà. Et bah c'est parti pour cette journée. Sur le parc, là j'attends Noélie, elle va pas tarder, là je suis toute seule parce que en fait Anna et Alex je crois sont déjà partis en conférence. Du coup moi je les attends, j'ai mis un manteau, je sais pas pourquoi, je crève de chaud, horrible, je transpire. Voilà, j'ai sorti les ears beige. Bon, par contre la séquence que vous avez vu avant, vraiment c'est un truc que je ne comprends pas, les revendeurs 2.0 DLP qui sont grave de la marge sur les produits, je comprends pas, ils ont des caisses énormes que de ça qui viennent de sortir. Genre pourquoi en fait il double le prix de vente. D'abord je vais manger. Coucou Nono. A few moments later. Les perches à selfie sont interdites. Des castors juniors et de Donald. Ici Albert Reporter qui nous dit de voilà. Bref, ça c'est les nouveaux les nouveautés. C'est nouveau en vrai. Moi qui est fan de pizza. Là on le va porter. Tu m'as fait peur. Tu peux filmer le prix. 35€. 35€, c'est pour des Ears Pizza. Dès je fais le cobaye. Vas-y, montre-nous, c'est Ears. Wow. Je suis pas très convaincue en vrai. Je vais t'attendre. Faut assumer quoi. 35€ sur ta tête quand même. Ouais. Hein. On a Lunchfly aussi. Fish pizza. Et on a le. Je sais même plus comment ça s'appelle ça. Un jersey. Voilà, un jersey. La fausse influenceuse Disney. Oh non. Voilà. En tout cas, lui, c'est un nouveau. Enfin, moi, je l'ai jamais vu. Il est joli avec plein de petites paillettes. Ouais, moi qui n'aime pas Star Wars, je pourrais l'acheter. Par contre, c'est lui, il est en promo. J'avais dit d'acheter plus de lunchfly. On a plein de petits lunchfly. Ah, ce qui est orange, rose orange, je sais pas. Là, on a la collection Wish. J'ai trouvé ma tote bag. C'est quoi? Ah, c'est Alice. Ça, c'est quoi? Tropical. Ah, c'est Encanto. Ouais, c'est marqué derrière. Oh non, j'ai cru que c'était mou. J'avais envie d'appuyer. En fait, oh, regarde, c'est un truc que tu mets genre dans ton lunchfly, genre. En gros, regarde, c'est un truc et genre. Genre à la base, y a rien dedans, c'est ça, et tu dois l'acheter. Non, regarde,
non, t'as quand même le dessin, mais tu peux acheter juste ah ouais, ça. Un truc de rangement. Ça, par contre, ça, c'est ingénieux. Ouais, le... Non, il est mignon. Mais son balle. On revend du 120 sur Vinted. Et ça, ça coûte combien, ça? 30 balles, ça va encore. Ah, c'est deux balles, c'est la sneak. On sort d'enlever deux exemplaires par personne. Ils vont pas changer, on regarde la fin. Bon bah maintenant nous sommes à studio et c'est certainement la dernière fois pour moi que je passe ici. Pour toi je ne pense pas mais... Ce soir. Oui. Notre petit studio. Cette fois que la première fois que je suis venue ici, j'ai cru que c'était un truc en rapport avec Cusco, pas du tout. J'avoue que ça pourrait le faire. Bah oui. On va chercher les copains qui ont fini la conférence. On se sent un peu intrus quand même. T'as vu toutes les notifs? Ça ressemble pas vraiment à un centre de recrutement d'une vacarme. Tout le monde, les citoyens n'ont jamais vu de héros, quoi. These parents say there are many heroes here. Tu peux faire? Et toi? Who wants to be a guardian of the galaxy? Gamora, le principe c'est que je fais Je suis potentiel recrue. Oh Gamora, je sens que t'as envie de danser. Allez, rejoins-moi sur le mode pour tes textes. Attention, c'est mal. Non, Gamora, c'est plus maintenant. On peut l'applaudir. Incroyable. Bien entendu. Attention à nous. Ouais, bravo. Tu fais de la galaxie dans la zone de toi. Et toi, et toi, et toi. Toi également, toi aussi. Les volontaires peut-être. Vous êtes prêts? On va faire deux équipes. La meilleure des équipes. L'équipe Star-Lord. Et à ma gauche, on va avoir l'équipe. Come on! Ok, vous faites. Pas mal ça! Ah, je sens qu'on prend. Oh wow! Oh non! Oh wow! Vous allez au final goal. Hein? So this is a time to show up and share them with everybody. On reviendra me chercher, on aura sauvé la galaxie. One last time, ok? Je vais pas vous le dire, mais c'est la chanson que j'ai dire. J'ai craqué. Elle a craqué. Craqué. T'as craqué fort, hein? Ouais. T'as pas attendu longtemps. Genre, j'étais riche, tu vois, j'ai débarqué, j'ai dit ouh, elle est belle, je l'ai acheté. 12 euros, ça va, c'est pas le plus cher. 9,60 du coup, avec la réduction PA. 9,60 bébé. Le rat. T'as encore 20% profit, Pauline. Ouais, grave, avant juillet.